Coucou. Tu viens de dire bonjour ? Bonjour. Bonjour Inès. Bonjour Inès. Comment ça va ? Pourquoi t'as une robe ? Parce que je suis une fée. Tu lui dis bonjour Josiane ? Pourquoi t'as une fée ? C'est la fée de la vérité. Donc c'est une fée qui connaît toute la vérité sur tout. Ça t'arrive de dire pas la vérité, toi ? Oui. Mais c'est juste que je veux pas que tu dis n'importe quoi. Ah, mais moi non plus, je dis pas n'importe quoi, mais toi non plus, alors, d'accord ? Mais moi, je crois Célia, elle fait toujours des n'importe quoi de choses. C'est qui, Célia ? Célia, c'est un enfant qui est dans ma classe, elle est pas ma copine. Du tout. Tu veux qu'on essaye notre machine ? Oui. Alors, regarde, tu vas voir, mon ami la fée de la vérité va te mettre un casque. Hop là, ça te va bien. Tu as quel âge ? D'accord. D'accord. Mais si jamais tu dis que tu as 5 ans, la machine, elle sonne. Alors raconte-moi qui c'est, Célia. Célia, c'est une enfant qui n'est pas très sage. Qu'est-ce qu'elle fait comme bêtise ? Elle rase les fleurs. C'est pas bien, ça. Tu lui as dit que c'était pas bien d'arracher des fleurs ? Oui. On peut pas arracher les fleurs. Non. C'est les grands qui l'a fait. C'est d'abord les grands qui l'a fait. Tu fais des bêtises, toi, ou tu fais pas de bêtises ? Pas de bêtises. Ah, tu vois, quand la machine fait tude, ça veut dire que c'est pas vrai. Peut-être c'est pas des bêtises. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise ? Je réfléchis, là. Ouais, ça se voit. Je réfléchis très bien. Tout à fait. Je crois que c'est Célia qui... Non, c'est pas que Célia. Toi aussi, tu fais des bêtises. Peut-être Célia a dit quelque chose qui dit à moi que je rase des fleurs. Célia, elle veut que tu fasses des bêtises ? Oui, mais moi, je veux pas que Célia ait fait des bêtises. Mmh. Et moi aussi, je peux faire des... Est-ce que toi, t'as déjà arraché une fleur ? Non. Une fois, t'as déjà arraché une fleur ? Tu crois ? C'est un secret entre nous. On le dit à personne, mais t'as déjà arraché une fleur. D'accord, c'est vrai, t'as déjà arraché une fleur. Est-ce que tu peux me parler de tes grands-parents ? Non. S'il te plaît. Ils habitent où, tes grands-parents ? Je vais demander à Josiane. Ils habitent à Shanghai, tes grands-parents ? Peut-être. Mais c'est où, Shanghai ? Je sais pas. C'est loin ou c'est pas loin ? Moi, mon avis, c'est pas loin. Est-ce qu'ils parlent en chinois, tes grands-parents ? Oui. Et toi, tu sais parler chinois ? Oui. C'est pas vrai. Et est-ce que tu sais chanter une chanson en chinois ? Yi sheng, yi sheng, liang xing xing, men qing de shi sha xing xing. C'est en chinois ? Bravo. Qu'est-ce que tu n'aimes pas manger ? Des souris. Des souris ? Oui. Mais pourquoi t'aimes pas manger des souris ? Parce que des souris, ça mange pas. Maman, elle fait des souris à la maison à manger ? Non. Parce que Josiane l'a fait, elle mange des souris. Moi, j'aime bien ça. Mais moi, j'aime pas. Et Célia, elle mange des souris, Célia ? Mais non, peut-être elle aime bien les souris, mais elle ne mange pas des souris. Si, Célia. Toi, tu l'as déjà vu manger des souris, Célia. À la maison, je crois qu'elle va manger des souris. Ouais, j'en étais sûr. Tu veux t'en aller ? Oui. OK. Mais hop. Est-ce que tu veux bien venir me faire un bisou avant de partir ? Oui. À bientôt, ma petite.